Yogono, village très enclavé du département de Vavoie, veut goûter aussi aux délices du développement. Moyen choisi, s'appuyer sur le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, par ailleurs ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Celui que moi j'ai choisi, c'est le ministre Mabri, ministre d'État du Plan et du Développement, parce que c'est lui qui a en main les clés du développement de ce pays-là. Et c'est en cela que j'ai fait en sorte qu'il réponde à cette invitation-là. Quand vous regardez bien notre région Vavoie, il y a un recul. Répondant à l'invitation des cadres et chefs gouraux de la localité, Albert Mabri Toakeus voulait surtout prendre un pari avec des alliés. Si vous soutenez le président Ouattara, je lui ai montré les chiffres du recensement de Vavoie avec les 400 000 habitants. Mais lorsque je retournerai lui montrer les chiffres des élections de Vavoie, ça me donnera la force. Et vous savez, moi, mon patron s'appelle Alassane Ouattara. Il dit quand on dit quelque chose, il faut qu'on fasse. Le président Ouattara a fait des promesses. Pour les questions de route, deux programmes importants sont en cours. Et ces programmes-là prennent en compte la plupart des axes principaux que vous avez. Toutes les routes principales, telles que ce que nous avons pris ce matin, mais les routes qui relient Vavoie aux chefs-lieux de sous-préfecture et aux différentes sous-préfectures, ces routes vont être totalement reprofilées. Pour maintenir le contact avec Yogono, le président de l'UDPCI promet y retourner pour prendre une part active aux activités les plus importantes des jeunes et des femmes durant les vacances 2015.